on a quelques dirigeants qui ont décidé de l'embêter. Cette chère Italie. Alors. Ah, alors ça c'est intéressant, tiens. Oh, ça c'est pas mal non plus, tu me diras. Ah oui, non, ça c'est ça. Alors ça c'est très bien. Ça va être vraiment pas mal, je trouve, je pense. Voilà, si on réussit à faire ça, c'est bien. Alors attends, on peut peut-être même faire mieux. Alors, essayons peut-être de le... D'accord. Oui, parce que ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est rigolo, ça, dis donc. Rendre les frontières avec la Prusse, 1870 avant l'heure. Oh, pas forcément. Hein. Alors, sinon... J'essaye de trouver un avantage à cette butée à la con. Je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. On va voir un petit peu comment il joue. Ce que j'aurais dû faire, c'était tenter de me planquer ailleurs. Et la revanche va être assez compliquée, oui.
Bon, j'aime pas du tout la position que j'occupe. J'ai tenté d'en faire quelque chose, mais je vous avoue que je suis un peu... peu ou prou intéressé par cette dernière. Je me retirerais bien, genre, tu vois, ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hop là. Alors pour le moment, ça se passe bien. Aïe. Très bien, essayons de faire un mouvement de ce côté. Bon, mon général qui galère comme d'habitude, mais soit. Pourquoi pas, hein. Alors on va essayer de s'occuper du général ennemi qui est juste ici. Il est tombé.
La charge a fonctionné. La plupart des pirates sont en fuite. J'essaye d'aller planquer mon général dans les préfonds. Mais ça a l'air d'être compliqué. Ils reviennent. C'est un peu embêtant ça. Aïe. Ah putain, j'ai mes unités qui commencent à fuir. C'est dommage, hein. Allez, tant pis, fuyons. C'est un repli stratégique. Bon, j'aurais pensé que ça passe mieux, mais visiblement... Artillerie, si j'y... Oui, mais je n'ai pas de quoi les bâtir là où je suis actuellement. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas de communauté qui me permette de développer de l'artillerie dans les Caraïbes. C'est bien gentil de me dire il te faut de l'artillerie, mais si j'ai pas de quoi les faire, je vais pas les inventer, quoi. La milice au CAC prend cher. Oui, effectivement, c'est un peu le problème. Je le valide, je le conçois. Oh là là, ils sont prêts. La légendaire armée. C'est quand même l'armée qui s'est fait la Hollande, qui s'est fait l'Angleterre. Et bim. Votre humble serviteur. Ah, j'ai pris quand même des pertes, hein. Alors, l'empirisme. Alors non, ça c'était pas voulu. Ah non, oui, on a développé la bonne techno, mais... Alors, Orléans, vous allez refaire ça, et vous, vous passez effectivement sur, par contre, le contrat social. Il va falloir impérativement que je répare ces foutues écoles. Là, pour le moment, mon économie, elle est partie se faire foutre dans un coin de la map, c'est terrible.
Lui, c'est mon allié, mais il est en guerre contre... Attends une minute. Oui, non, on est d'accord, hein. On bosse ensemble. Très bien. Ouais. Préparez-vous, marchez. Falloir qu'on redéveloppe tout ça as soon as possible. ASAP, comme on dit par chez nous. J'ai pas pensé à reprendre mon armée dans les Caraïbes, mais en même temps j'avais plus de thunes à leur allouer. Pourquoi la Suède vient pas avec moi? Pourquoi il me déclare la guerre, ce connard? C'est vraiment pas le moment en fait. Et la Suède qui m'a pas accompagné en plus. Pourquoi j'ai pas discuté avec la Prusse au fait à ce tour-là? J'aurais dû. Nous avons triomphé. Oh putain. Vos ordres, votre majesté. La victoire est à nous. À gauche. Ça c'est tellement chiant. Et vous voyez, ça c'était le début. Hein. De toute façon, littéralement le jeu te disait, ah ouais, mais ça va être un peu chiant, ça dit donc, mon pote CJ. Bah, ça serait pas les armées qui commencent à aller un peu partout, ça? Ça, c'est pas un peu les armées qui font n'importe quoi, ça, mon pote? Toi, t'étais là, tu faisais, ah, bah, si. Suivez-les. Force et honneur. Prêt à recevoir vos ordres. Troupes, en avant. Bon, qu'est-ce qu'il me veut, ce comte prussien? Pourquoi il m'a déclaré la guerre, lui? Débile. C'est un accès militaire, c'est ça que tu veux? On va lui offrir des technologies, tiens. On va lui fier de l'utilitarisme. J'ai pas le temps de faire une guerre contre toi en fait, fils de Niench. Donc je te propose ces deux technos là et la paix. L'Espagne, elle est rentrée dans ma guerre? Point. Tellement cher avec les avec mes bâtiments qui sont tous éclatés. Je pense que pour le moment la guerre dans les Caraïbes on va. Sortez la voile. Vos ordres, votre majesté. Monsieur. Non, c'est dans l'autre sens pour les technos.
Ah, tu veux dire que je cherchais en fait à lui demander des techniques. Attends. J'aurais si mal lu que ça? Offrir de la technologie. Ah oui, ça c'est des technologies que je peux lui réclamer. D'accord. Effectivement, du coup, ça paraît un peu mieux. Donner un territoire à la Guyane néerlandaise. Alors on va peut-être réécrire ça et puis on va pas... non. Ouais, d'accord, ok, il veut des... En fait, il fait la guerre pour avoir des colonies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous a déclaré la guerre juste pour avoir Amsterdam, en fait, cet empape à Wouter. Puis mes accords commerciaux avec la Prusse qui sont niqués, du coup, parce que, évidemment, j'avais des accords commerciaux avec ce con. Et je ne peux commercer avec personne d'autre. On est ravis. Tu peux faire des canons dans les îles du vent. Oui, ben pour le moment, les îles du vent, elles vont apprendre ce que c'est justement une politique du vent. Ah, les Espagnols qui sont venus jusqu'ici quand même pour aider. Les Espagnols qui aident, comme il faut. Ah, par contre, ouais, s'ils commencent à s'aborder mes lignes commerciales avec la Suède, on n'est pas prêt de s'en sortir. Non mais gros, il faut arrêter là. Ah, vous sentez les États-Unis qui sont en train de préparer des armées à mes frontières aussi là? Bah, c'est bon là, c'est terminé, ça y est. Ils arrêtent de casser les noix. Là. Incroyable. Ah, parfait. En avant pour la couronne. On va voir comment il fait, lui. La Savoie, par contre, là, ça va être trop loin. Le fonctionnaire est mort. Ça. Ouais, d'accord. Dans les îles du vent, des canons, c'est ça? Ce niveau-là, la cavalerie serait plus intéressante. Argent plus techno pour obtenir la paix des Prussiens. Bah, visiblement, en fait, le Prussien, ce qu'il cherche, c'est pas tant. C'est pas tant des technos, en fait. Très clairement, c'est pas ça qui intéresse le Prussien. Ah, les États-Unis, il va falloir leur déclarer la guerre très très vite. Hein.
Ouais, le Prussien, il veut du territoire en fait, et il veut surtout sa part dans les colonies. J'ai envie de te dire, il y a le Sri Lanka si tu veux, chien. Essaye la paix avec la Savoie. Ouais, mais le problème, c'est que la Savoie et la Ligurie, c'est mes objectifs en fait. Ah, l'Espagnol qui s'est tiré, ce fourbe. En avant, marchez. Voilà. À gauche, marchez. Troupes, halte. Ne peut faire cela, général. Ça, faut absolument que je les répare. Hein. Ça, c'est une obligation. Ok. Ça oui, ça ok, ça ok. Le reste, on va le remettre dans la formation de nouvelles unités. Ok. J'ai plein de nouvelles villes à chaque fois qui pop, mais j'ai absolument pas de quoi les gérer. Et pour le moment, pareil ici, tu vois. Décréter une attaque là-dessus, surtout avec le 3e régiment d'infanterie, c'est un peu compliqué. Bon, je me lève tôt demain. Bonne nuit. Salut Zark. Je fais ça, je me prends une défaite parce qu'il a je sais pas combien de. Qu'est-ce que ça me dégoûte ça? Oui, c'est ça, c'est quelques tours de tourmente avant la contre-attaque, mais. De toute façon, l'idée, ça va être de lui choper. Et de filer le territoire de Cologne. Wuttenberg pour déclencher une guerre. Tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir une paix avec l'Autriche du coup?
Mais les mecs te déclarent des guerres, honnêtement, ça a même pas le... Eux, faut que je reste en guerre avec eux. Pour le moment, ils sont alliés à l'Autriche. C'est ça, en fait, d'ailleurs. Mon casus belli, en fait, tient là-dessus. C'est-à-dire que si j'écrase la Savoie, puis la Ligurie, et que je débarque à Bastia, bah, c'est très simple. J'ai plus de problème en soi. C'est ça, je filerai ce territoire-là au Wuttenberg, tiens. Je pensais avoir rechargé la sauvegarde rapide que je venais de faire, mais apparemment non. Ok. Parce que là, franchement, il n'y a rien de... Enfin, je comprends même pas qu'on perde. Vraiment. Hein. L'autorésolution, c'est tellement claqué. Je vais juste aller me chercher un café, brave Jean, et je reviens tout de suite. À tout de suite. Incroyable. Je viens de voir les pseudos de deux personnes qui ont follow. Déjà, merci. Même si je pense qu'ils ont follow avant de partir et que ça ferait partie des vautours. On va voir ça, c'est... Coucou KB Combat N et Elric de Mélimon. Ah, attends, mais c'est écrit comme... ça s'écrit comme ça, celui-là? Parce que ça, je connais, hein, de Mélimoné. C'est Mélimoné? Le nom, parce que je me rappelle pas que c'était mais c'est pas Ménil Monet? Peut-être que c'était pris et il l'a remplacé par M. Possiblement. Bien! Bien bonjour! Nous allons donc placer nos infanteries un peu partout. Et vu qu'on nous a parler de quelques caves, voilà qui devrait un peu les embêter. En plaçant ça ici. On va mettre une unité ici. La bataille s'annonce compliquée. Non, la bataille s'annonce hyper simple. La bataille s'annonce ultra simple. Il a que deux unités d'infanterie. De la cave. Donc il va sensiblement tirer comme un débile ici. Comme il n'arrivera pas à battre le mur avant que son infanterie soit là, il fera en sorte de ne pas mettre sa... de ne pas mettre ses troupes autrement. Et donc ça va être relativement aisé de le vaincre. Non, le gars a rien, hein. Soyons honnêtes. Là, le mec... il continue à me tirer dessus comme un débile. Ce qu'il est en train de faire, il est vraiment en train de tirer comme un débile. D'ailleurs, il est tellement en train de tirer dessus comme un débile que, comme vous le pouvez le voir ici, le gars est totalement hésitant. C'est-à-dire que là, il a fait descendre ses troupes. Et finalement, il les a fait remonter. Donc on est vraiment sur l'indécision la plus totale pour le coup. Voilà.
Ouais, mais là on sait toujours pas ce qu'il a comme but, hein, le mec. On sait toujours pas s'il veut faire sauter le mur du fort. Sachant que bah j'ai... Ah, il a aussi... ouais, ça y est. L'IA qui a déjà des baïonnettes. Ce qui m'empêche pas de le ramasser du coup comme il se doit. Peut-être un régiment qu'on va sacrifier, hein, ça d'ailleurs, au final. Et là, s'il continue à tirer comme un débile sur cette portion de mur, il va y avoir un gros dégât sous peu. Voilà, genre ça, tu vois. Rendant l'escalier inutilisable. Donc nous, on va bien évidemment reculer. Voilà. Parce que là, ça fait 47%. Et avec un peu de chance... Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. J'ai perdu quelques-uns de mes hommes dans cette histoire. Mais là, on vient principalement de faire éclater l'un des régiments des Prussiens. Mais genre vraiment. Les bâtiments, ce sera même pas une clé. Hein. Regardez, le mec est en train de stupidement tenter de détruire mon mur. Là, ces mecs, ils vont même pas avoir le temps d'être descendus. Il va les finir. Regardez. 3, 2, 1, ça tire. Non, ça shoot toujours pas? Il shoot pas? Il a décidé d'être intelligent? Bah, ça m'étonnerait. Allez, oui, voilà, t'es con. Ah non, mais dans le domaine, là, c'est ce qu'on appelle un bon gros con, effectivement. C'est... On est sur ça, hein. On est sur du Prussien débile, hein. Concernant là. Oui, il a de la cave, mais ça sert à rien. Je fais des carrés. À quoi tu veux que ça serve la cave? C'est de la merde en plus dans Empire la cave. Il y a que 3 Total War qui sont sortis à ce jour où la cave sert à quelque chose dans le jeu depuis Empire.
Avec le nouveau moteur de jeu, la cape, c'est de la merde. Sauf dans Attila. T'as Three Kingdoms. Et t'as Shogun 2, où ça allait, en vrai. Mais c'était pas non plus foufou, quoi. Ah, il va venir mourir bêtement. Oui, oui, mais c'est un con. Donc oui. Partant du principe où le mec est débile, oui. Donc là, il va essayer de péter l'angle, ce qui va l'amener à rien, hein, parce que il aura beau péter l'angle, voilà. Allez, allez, casse l'angle, c'est bien. Allez. Voilà, on applaudit l'IA qui vient de casser l'angle, mesdames et messieurs. Voilà, l'angle est cassé. Bravo. Bravo à l'IA. Bon, bah écoutez, on va tenter de faire un truc, hein, parce que là on se fait chier et puis il a des canons qu'on veut pas voir revenir. Et vu que ces canons, c'est lit de la merde. Ils sont tournés dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais ils pourront pas se tourner dans l'autre sens, techniquement. Belle tentative, ça va pas servir à grand chose ça mon pote. Ça aussi c'est inutile. Hop. Et il a pas de mitraille. Excellent.
crois que c'est son capitaine là d'ailleurs. Hop, voilà. Ah, mais dis-moi, Jamy, c'est vachement con. Ça serait pas ton artillerie que je viens de t'éclater là? Ouais, sa dernière artillerie elle est beaucoup trop loin hein, par contre. Allez la chercher, ce sera du suicide. Surtout que si en plus de ça il a. Ah oui, c'est malin ça. De la mitraille, c'était sûr. On a eu beaucoup de chance alors avec les autres canons. Hein. On a eu très beaucoup de chance là-dessus. Hop, encore une fois, des messages. Excusez-moi, j'ai dû gérer des messages d'une proposition de GFX, sauf que il n'y a qu'un seul GFX dans mon cœur. Et c'est Vegas. Désolé, madame. D'ailleurs, il y a un très grand nombre de nanas qui font du GFX. D'ailleurs, littéralement, la plupart des propositions que j'ai vues à chaque fois et que j'ai reçues, c'est des nanas qui font du GFX. Donc tout ce qui est GFX, ben c'est simple, les screens, les vidéos, les machins, etc. Voilà. Salut Observateur 3. Donc je me demande si à force c'est pas genre des bots ou quoi que ce soit. Alors, là ça se passe bien. Par contre si l'Espagne, c'est son armée de défense qui est là, elle s'est faite un peu cramer le cul. Pour le moment, je vais m'occuper de ça. Je vais aller m'occuper de l'Italie pour le moment. Sachant que là, ici, on commence à être plutôt bien en termes d'armée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va se faire ça. Ah, bah ça c'est très intéressant ça pour le coup. Dis donc. Parce que ça veut dire que je peux embarquer dans mes petits bateaux. Tout ça. Et que je peux débarquer
ma petite armée ici. Et que je peux l'envoyer à côté, ici. Sachant que ce sont des vétérans qui nous ont débarrassé de quelques Écossais dépenaillés qui nous ennuyaient. Et donc que l'on va pouvoir s'occuper peut-être finalement de cette révolte anglaise et la mater de manière définitive. Michel Chamillard est mort. Oh bah quel dommage. Je ne sais pas qui est Michel, mais dommage. On va juste s'assurer que politiquement... Tout récent... Ah, il n'y a pas de limite de temps? Non, mais ça, oui, non, c'est pas les conditions de victoire, c'est bien ce que je me disais. On a jusqu'à 1750, on est en 1715. Bon. Toujours seul contre tous, ça va toujours, observateur. Donc il faut qu'on prenne la Corse, il faut qu'on prenne New York. La Ligurie et la Savoie. Et voilà, mais il faut juste qu'il arrête de nous casser les couilles, le Prussien. Pourquoi il veut absolument nous casser les couilles? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi la Prusse veut m'emmerder à ce point? Par contre, du coup, ça ne règle pas les choses de ma politique. Alors, j'ai réparé d'ailleurs toutes mes villes. On va partir sur ça. Utrecht, faut absolument pas faire ça. Parfait. Orléans. Donc on va plutôt passer Orléans là-dessus. Utrecht, on va la passer. Alors. Bon. Mettons. Alors Cambridge, du coup, peut-être celle-ci. Voilà. Utrecht 13. Bon, tant pis. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Je comprends ce que j'essayais de faire. Ah bon? Oui, ben soit, hein, tant pis, pas grave. Voilà, ça c'est bien ça. Je ne peux pas faire cela, monsieur. Pendant ce temps, dans les Caraïbes. Qu'est-ce que je peux encore me recruter? Ça et ça. Eh ben parfait. Et ça c'est quoi? C'est en train de se refaire, c'est ça? On est d'accord? Ouais. D'accord. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Faudra que je recrute des troupes pile ici. Parce que sinon, ça tiendra pas du tout. Il y a toujours l'autre là qui bloque mon port. C'est incroyable. La Savoie là. Ils ont une flotte titanesque ici, mais ils s'en servent pas. Ils savent pas ce qu'ils font. C'est rien, c'est la Savoie quoi. Oh putain. Heureusement qu'on est allié à l'Espagne. Leur armada, elle est en train de tétaniser. Elle a détruit la flotte anglaise. Elle est en train de ravager la flotte prussienne. C'est très bien. Qui plus est, on va pouvoir avoir une deuxième armée qui pourra s'occuper de la Prusse. Notre armée de vétérans, elle va s'occuper des territoires qui sont en Italie. Merci, copain espagnol. Ah bah, écoutez... On sait pourquoi on est resté allié avec les Espagnols. Hein. On sait pourquoi on est avec eux. Ah la Savoie là, ils pensent, je sais pas ce qu'ils croient faire, mais ils vont avoir une petite surprise sous peu. Ah. Les Anglais ont compris ce qu'on allait tenter de faire, et du coup ils nous ont saucé Cambridge. Bâtard.
est à nous. Ok. Immédiatement. Détruisez-les. Grave. Invaincu. Oui, Miller. Marchez. Et la région est désormais pacifiée. Si ça, c'est pas beau, putain. Donc pour le coup, ça c'est des vétérans, on va les garder. Mais le fait qu'ils aient pacifié comme ça toute la zone, ça c'est... Ça va être apprécié. Plus de résistance en Angleterre, putain, oui. J'ai envie de te dire, mon pote, oui. Avec votre permission, lieu d'apprentissage et de culture. Ça va quand même être très très cool. Alors, ils n'ont pas été exemptés techniquement de taxes. Eux si. Mais maintenant, c'est terminé. Nous, maintenant, on a des canons. Et on a de la cave. Donc, ça va commencer à se jouer autrement du côté de Punta Curaçao. Qui plus est, ils reforment jamais ses troupes. Pas de soucis, mon pote. On t'assiège. Monsieur. Homme en avant. Pas pouvoir faire grand-chose, hein, pour le coup. Long quoi, on va peut-être faire tout simplement un petit recrutement de briques ici. Quoique, il y a un aviso juste là. Nickel. Alors, eux, pour le coup, ils vont rester là pour le moment. Mais encore une fois, ça sera bien drôle dans quelques temps. Et nous, on va aller se placer à la frontière savoyarde et récupérer et réparer le port de Marseille. Ça aussi, ça va être pas mal. Grosso modo, l'objectif du jour, il a été rempli. Hein. On voulait éliminer l'Angleterre. J'avais pas vraiment envie que la Prusse se mêle de ces conneries, mais elle s'en est mêlée. Autrichiens à la frontière. Des Autrichiens à la frontière. Vraiment. Ça me ferait bien chier, tiens. Ça me fait plaisir en tout cas, Maxime, que tu aies pu rester sur toute la session de stream là. Ah ouais, les Autrichiens sont effectivement pas bien loin, à côté de Strasbourg. Mais ils viennent plus pour le Wurtemberg. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Quoi? Ah ouais, non, mais si le but c'est de tomber, oui, c'est une très bonne idée ça. Ah non, il a dégagé son armée principale. Ok. Votre Majesté, préparez-vous pour la guerre. Cible assiégée. On va les assiéger, ensuite ça. On va les poser ici et ensuite on les enverra à Strasbourg. Oui. Cette armée qui est ici. À gauche, marchez. Elle va. Hop. Ils ne pourront pas traverser comme ça.
Hop. Ah, par contre, ouais, les canons qui sont juste ici, ça m'embête un peu plus. Disons qu'ils sont plutôt prévus pour aller là, les canons. Hop. Très bien, le territoire. C'est ok, pour le moment c'est protégé. Ça dégage pas pour le moment. Ça ici, j'ai une belle petite armée qui va. Débarquer. Voilà. Cette flotte, elle va rentrer ici. Votre Majesté. Alors. Tenez-vous prêt. Marchez. En avant. Parfait. Je peux pas encore d'accord. Moi aussi, ça me fait plaisir, mais je comprends pas les moves de l'IA. Ben, en fait, le problème de l'IA, alors, ce dont j'aurais peut-être dû un petit peu me prévaloir, enfin me prémunir avec la Prusse. C'est que, en gros, la Prusse, très certainement, voulait passer par mon territoire pour faire un move et n'a pas pu le faire, tu vois. C'est ce qui a pu provoquer, en fait, le fait que la Prusse, donc là, il va falloir la jouer parce que sinon on perd, alors que clairement, elle, on la gagne.